Bonjour à tous, c'est Karine, ma passion d'épée. On est samedi 25 juillet, il est 20h45. Donc un petit unboxing qui sera le dernier pour un petit moment. Je pense pas vous refaire des unboxings de suite. Parce que bah, tout est arrivé, tout ce que j'attendais est arrivé. Je ne vais pas recommander maintenant sur AliExpress parce que j'en ai pas le besoin. Équipé, je le suis. En toile, largement. Vous allez voir, donc je pense que cette vidéo va arriver avant la vidéo que j'ai tournée juste avant. Voilà. En toile, je suis équipée. Je vais me consacrer sur la chaîne, donc il y a des nouveaux projets. Donc qui vont être, je pense, courant août. Voilà. J'ai plein de petites idées, donc de petites choses à vous faire découvrir, à faire avec vous. Donc voilà. Devant moi, un premier colis à ouvrir. Donc là, il y en a un petit peu. Parce que du coup, il y a quelques jours, j'en ai reçu. J'ai pas eu le temps de faire les vidéos. Et là, mon mari est allé à la poste aujourd'hui et m'a ramené donc deux colis que j'ai ouverts parce que je pensais que c'était sur la vidéo avant. Donc, vous comprendrez pourquoi, voilà. Donc, du coup, je me suis arrêtée en pleine vidéo et j'ai continué ma première vidéo pour vous faire celle-ci et vous faire ceci après. Donc, voilà. Donc, celle-ci, c'est Huacan. Voilà. Alors, hop, chez Huacan, je l'ai payé 8,99 €. Et du coup, alors, j'ai pas de modèle, bien évidemment, parce que je suis au rez-de-chaussée, comme vous le savez, je suis sur 3 niveaux. Et du coup, j'ai acheté ceci. Donc, c'est du plastique. Voilà, qui est de bonne qualité. Hein. Il est arrivé pas abîmé, bien propre. C'est pour ranger les boîtes à tic-tac dedans. Donc, je dirais qu'on en met deux. Voilà. Je l'ai payé 8,99 €. Donc, ça met craquage. Et voilà. Parce que moi j'ai une grande valisette, je crois que j'en ai 62 ou 68 petites boîtes tic-tac. Et c'est vrai que quand on en a peu sur un DP, descendre toute la valisette, voilà. Donc du coup, voilà, je me suis acheté ceci. Voilà. Ensuite, je me suis acheté ceci. Donc, voilà. Il était très bien emballé. Le colis. Par contre, je l'ai pas encore ouverte. On va voir le truc. J'ai acheté cette horloge pour la faire gagner lors d'un de mes concours. Voilà. Parce que moi, le thème, c'est pas forcément mon truc. J'ai pas forcément d'enfant. Voilà. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un truc qui était sympa. Donc le carton, il est détruit de chez Détruit. Vous voyez, il est abîmé là. Là, il est tout plié. Donc voilà. Si vraiment elle est en mauvais état, je prendrai des photos. Donc, je couperai la vidéo, je prendrai des photos, je ferai une réclamation. Voilà. Hop là. Allez, viens mon enfant. Donc oui, je suis tombée dessus. Je suis tombée dessus et j'ai trouvé qu'elle était très mimi. Voilà. Donc, elle a bien le mécanisme derrière. Elle est entièrement en diamants spéciaux. 4 couleurs. 4 couleurs. On a bien le petit taquet pour mettre les petites aiguilles. Voilà. Ça va. Elle n'est pas abîmée. Donc, je vais bricoler un carton et voilà. Alors, je la reprends. Alors, le seul petit truc, c'est là où je vais mettre mon doigt. Il n'y a pas de papier. C'est un petit peu sale. Donc, je pense que pour la colle, c'est pas top. Et du coup, je vais juste tester.
ça colle super bien. C'est pas du bois, c'est pas du plastique. Ouais, c'est une drôle de matière. Moi, je la trouve super belle. J'ai bien aimé. Je l'ai payé 7,15 €. 7,15 €. Je l'ai acheté donc chez Akan. Je l'ai acheté le 21 juin. Et nous sommes le 25 juillet. Donc là, je l'ai reçu aujourd'hui. Hein. À l'intérieur, le petit stylet. La petite coupelle, le petit pain de colle et quelques petits sacs. Alors, je fais ma curieuse. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 et je crois qu'il n'y a que 4 couleurs. Donc, ils ont été généreux sur les petits sacs. Hop là. Hop. Voici, on va la remettre ici. Alors, ça, on va mettre avec. Comme ça, on ne va pas y perdre. Hop là. Je suis rentrée du boulot. Il était 7 h. J'ai mangé avec mon mari et je suis repartie sur mes vidéos. Donc, après, là, je vais aller prendre ma douche. Hop là. Et je pense que je vais aller me coucher. Alors, j'ai voulu faire deux choses, bailler et éternuer en même temps. Allez, les diamants. Donc, on a du rouge qui est super beau. Voilà. Donc, on a le numéro et après on a un ZB10. ZB10, non, donc ça doit être la référence de la coccinelle. On a du noir avec donc deux tailles différentes. Là, c'est des petites, ici. Là, c'est des un peu plus grosses. Et là, c'est encore des un peu plus grosses. C'est que du noir. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que ça peut être sympa de le faire avec un enfant à offrir. Voilà. Hop. Hop là. Voilà. J'essaie de réparer un petit peu la boîte. Alors, c'est un unboxing un peu bizarre parce que mon mari attend ses coques de téléphone. J'ai acheté des coques de téléphone sur Ali. Et il a ouvert un colis parce qu'il croyait que c'était ses coques de téléphone. Alors, c'est pas du tout ses coques de téléphone. Voilà. Donc, son téléphone, il me dit, mais c'est quoi ce truc que t'as acheté encore? Donc, allez, ça c'est fait. Allez, on va passer à celui-là. Donc ça, c'est celui qu'il a ouvert, s'il se demandait ce que c'était. Donc c'est vrai que quand on regarde, c'est un peu bizarre. Hein. Voilà. Tintin. Alors ça, je l'ai vu, c'est sur la chaîne de Hélène et le Diamant Painting. Et j'ai trouvé trop bien. J'ai dit, il faut que je teste. Il faut que je teste. En plus, j'avais eu l'idée d'essayer de trouver comment le faire. Ils sont au nombre de 3. Pareil, ça va être, il y en aura 2 à gagner pour des prochains concours. Hop, donc il y a la rose. Voilà. Le vert. J'adore sa bouille du vert. Et le jaune. Voilà. Alors, on va partir. Je vais vous faire voir celui-là. Donc ouais, Hélène m'avait, sur une de ses vidéos, elle l'a présenté. Et
le jour même ou le lendemain, je l'ai acheté. J'ai regardé, je l'ai acheté. J'ai pas le nom du vendeur, j'ai zappé de prendre le nom du vendeur. Je les ai payés 7,62€ les 7,62€ les 3. Donc qu'est-ce que c'est? Hop. Donc c'est un stylet pour diamant carré. Alors mon téléphone, hein, voilà, m'envoie un petit peu quand même. Voilà, c'est pour du diamant carré. Voilà. Donc j'avais envie de tester, j'avais envie d'en faire un. Et bah, je ne suis pas penchée sur l'idée de le. Voilà. Et. Oh, je suis désolée, les amis. 2 jours de travail, je suis déjà KO. Heureusement qu'il me reste lundi, mardi, mercredi. Et après, je suis en vacances. Est-ce que je me ferai du souci, hein? Donc, voilà. Donc, petit. Ça. Donc, là, il y a une petite partie. Un petit truc là qui colle. Écoutez, je ne sais pas ce que c'est. À quoi ça sert? Peut-être pour le. Il penche, il penche, il penche, il penche. Va-t-il tomber? Il va tomber. Il va tomber. Ah! Tombé! Donc, voilà. Donc, il y en aura 2 à gagner lors de concours. Donc, je ne mettrai pas tout sur les mêmes concours, hein, je vous rassure. Alors, à ce matin, au niveau de. Voilà. À ce matin. J'étais à 188 abonnés. Donc, on approche des 200. Voilà. Du coup, voilà. Les 200. Donc, pas de message pour participer au concours sur cette vidéo. Je vous ferai une vidéo spéciale avec ce que je vous mets en cadeau pour le concours. Voilà. Là, c'est juste les cadeaux que je vous présente en comme pour les 2 petites toiles que j'ai mis dans la semaine, je crois. Voilà. Ensuite, on va garder le pire pour la fin. Voilà. Dis-moi le pire. Mon mari m'a dit que c'était pas marqué. Bon. Ok, monsieur, t'as raison. Mais voilà. On va dire que l'image était très trompeuse. Voilà. Alors. Non, ce n'est pas un dé. Ce n'est pas un DP. Ça y ressemble, mais ce n'est pas un DP. Voilà. Hop. Et. Wow! Ah ouais! Ok. Bon. J'ai commandé chez Home Fun le 11 juillet. Donc, ils sont rapides. Une grande barquette. Si, je peux vous faire la comparaison. Bougez pas. Hop là. Voyez, petite et une grande. Une petite et une grande. Voilà. Parce que, voilà. Les petites comme ça, les moyennes, voilà. On en met 4 et voilà. Donc, je voulais acheter une grande. J'en ai eu 3. De Huacan lorsque j'ai eu ma commande cette semaine où je vous ai fait le unboxing. Je crois que c'est mardi ou mercredi. C'est avant que je reprenne le boulot. Oh, mais dis donc, les amis, je suis désolée. Oh là là. Voilà. Un suppôt au lit et au dodo. D'abord, on passe par la case douche. Parce qu'il avait très très chaud sur Grenoble aujourd'hui. Je ne sais pas combien il a fait, mais il a fait chaud. Puis en plus, mon magasin, on a des gilets. Et du coup, bah, le gilet Top Office. Et bah, il fait damn chaud. Donc, voilà. Enfin, je ne vais pas vous raconter. Hein. Donc, du coup, je me suis acheté cette grande barquette. Cette grande barquette, je l'ai payée 2,45€. Voilà. Voilà. Comparé à celle-ci petite. Voilà. Je vous ferai une vidéo avec les différentes coupelles que j'ai, ainsi que les tailles. Comme ça, vous verrez les différences. Pour 2,45€, franchement, hein, elle doit faire, je crois, 19 de longueur. Je crois. Je crois que c'est 19 de longueur. Pas sûr, mais voilà. Voilà.
Alors là, ils m'ont mis un toolkit. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vous ai dit, ce n'est pas un DP. Voilà. Il n'y a pas de diamant. Ce n'est pas un DP. Ce n'est pas une toile oubliée qui m'ont envoyé des diamants. La toile. Voilà. Pourquoi un toolkit? Je ne sais pas. Alors, regardez. On a trois tailles. On a le papa ours, la maman ours et le bébé ours. Hein, trois tailles différentes. Et je crois même que je dois monter à 4 voire 5 tailles différentes. Voilà. On a un stylet comme ceci. On a une super pince qui pince pas. Pardon. Petite pince-pince. Oh, elle a l'air de traite quand même. Voilà. Des sacs. Un pain de colle. Voilà. Je vais pouvoir bientôt vendre des pains de colle ou en faire un cadeau. Vous savez, à vos amis. Non, peut-être pas à mes amis. Non. Des petites blagues de d'anniversaire. Ah, un petit cadeau, tiens, un pain de colle. C'est pour faire quoi? Bah, c'est pour faire du diamant painting, voyons. T'y connais rien. Hein, voilà. Dans la colle, je commence à en avoir un wagon de chez wagon. Alors, si vous avez des astuces pour la passer, allez-y. Sachant que j'ai envie de tenter de faire la pâte à wax. Merci Estelle. Merci Kevin. Merci les amis qui ont fait de la pâte à wax. Voilà, donc je me freine pour pas en faire. Parce que j'ai d'autres trucs en tête, donc voilà. Entre autres, des fondants. Merci Estelle, encore une fois. Mais je te kiffe, je kiffe tes vidéos, Estelle. Voilà, je te l'ai déjà dit, mais voilà. Tu m'as donné envie de faire de la pâte fimo, et du coup, j'adore faire de la pâte fimo, et du coup, bah, j'ai plein d'idées avec la pâte fimo. Donc voilà, des idées arrivent. On va arrêter de papoter. Ceci, alors, c'est pareil, c'est pour un de mes tests. Vous allez voir, alors, je ne sais pas si je vais poster toutes les unes à la suite pendant mes vacances. Soit je me fais une grosse journée vidéo et je les prépare et je vous les poste à 2-3 jours d'intervalle. Je pense que je vais me faire ça. Ou je vais en faire une de temps en temps. Mais voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses. Et voilà. Et du coup, ça, voilà, fait partie de mes idées. Donc, c'est une toile à canevas. Le DP, je vais pas la dérouler parce que je ne veux pas mettre de rivière. Elle est juste. Ah ouais, alors attendez. La colle est restée collée sur le. Voilà, le blister. Ok, avec mes doigts. Hop. Elle est juste imprimée avec des petits carrés. Voilà. Et si je me trompe pas, ouais, c'est la toile. C'est la toile. Mes idées pourront se faire via la toile. Voilà. Alors, le morceau, par contre, qui fait 30 par 40. Un petit peu payé cher, vous allez me dire. Oui, certes. Mais bon, j'ai des idées. Pas d'idées, pas de pétrole, pas de pétrole, pas d'idées. Hein. Et je l'ai payé 6,20 €. Voilà. Voilà, je vous ferai voir mes idées, voilà. Et là, alors ça, je l'ai ouvert parce que je me suis demandé ce que c'était. Je vous mettrai la photo de ce que je pensais avoir acheté. Et là, bah, je suis déçue parce que si j'en ai une là. Hop là. Vous savez que j'ai des soucis avec cette pince. La petite pince, comme ceci, hop là, comme ceci. Avec les petits trucs qui sont incurvés là. Et je crois que dans une vidéo, je vous en ai parlé. Oui, je vous en ai parlé dans une vidéo. Voilà. Je croyais avoir acheté un set de 9 pinces différentes. Et là, j'étais contente. 9 pinces pour 2,52 €, l'affaire, bon, c'est AliExpress, on verra les pinces combien de temps elles durent, hein. Voilà,
Hein? D'accord. Voilà ce que j'ai reçu. Alors oui, c'est une pince, vous allez me dire. Ouais. C'est pas la pince, c'est pas l'autre pince que je voulais. Il y avait plein d'autres pinces différentes dessus. Voilà. Hein? Voilà. Sur l'image, il y avait 9 ou 10 pinces, je crois, de mémoire. Hein? Donc, eh ben, je vais essayer de travailler avec. Je vais quand même la tester. Voyez. J'ai pas essayé, j'ai pas de diamant. J'ai pas. Voilà. Mais je pense que je vais avoir le même problème avec ça qu'avec ça. Hein? Parce qu'on est sur la même. N'ayez pas peur, c'est mon chat qui s'est couché dans mon sac de course. Donc, elles ont des paniers, hein, je vous rassure. Hein. Elles ont un panier par étage. Leur couverture ici en bas, quand elles sont malades, du coup, on les isole. Elles ont leur couverture. Voilà. Mais non. Non. Non, non. Il faut qu'elles dorment dans un sac ou dans un carton aussi. Enfin, c'est des animaux. Et du coup, elle est incurvée ici et elle est incurvée ici. Donc, je pense que je vais avoir mal aux doigts. Je vous dirai ce que j'en pense quand je vais l'avoir testée. Je pense que je vais la tester demain après-midi. Non, demain après-midi, j'ai un ami qui vient. Bah, c'est ballot, ça, ma fille. C'est Bali Ballot. Non, il vient en milieu d'après-midi, donc j'aurai le temps de tester. Peut-être pas le temps de faire une vidéo? Il va avoir le temps de. De tester. Eh ben. Donc voilà, pour ce petit dernier unboxing. Normalement, unboxing, on est calé. Je vais vous faire prochainement la vidéo du concours pour les 200 abonnés. Il y a une vidéo qui va arriver. Vous allez la voir, elle va arriver, je pense. Oh, je pense demain. Je pense que je vous la mettrai dimanche. Voilà. Parce que là, il est un petit peu tard. Je vais prendre ma douche. Je pense que je vais profiter un petit moment de mon mari. Puis après, je vais aller voir dans les bras de Morphée et dans les bras du chien. Ah, mais non, vous ne la voyez pas. Donc, dans les vidéos. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? La vidéo des 200 abonnés. La vidéo surprise qui arrive là. Et il y a une troisième vidéo où je vais vous parler des projets que j'ai en tête. Alors, je ne sais pas si je vous dévoilerai toutes mes idées. Je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo présentation de mon projet et réalisation de mon projet. Voilà. Mais voilà, ceci en fait partie. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Je ne sais pas. Là, je sais que je vais m'organiser. Je vais aller prendre une douche. Allez, manger un dessert, par contre, que j'ai pas mangé mon dessert. Je n'ai pas mangé. Dessert, douche, petit moment avec le mari. Et après, ça va être petite demi-heure câlin avec le chat dans le lit parce que j'ai un gros bébé de 8 kilos qui vient faire son câlin du soir. Et ouais, vous pouvez pas vous imaginer. Hein. En plus, hier, et après, je vous abandonne. Je vous raconte juste ma petite anecdote d'hier soir. J'ai été en arrêt de travail 13 jours. 10, 13 jours. 10 jours, pardon. 10 jours. 10 jours que je suis restée à la maison. Quasiment, hormis 2-3 rendez-vous médicaux et ma journée d'hospitalisation que j'ai faite au début de mon arrêt de travail. Elle a pris l'habitude que j'étais à la maison, donc ben, les câlins le matin dans le lit, l'après-midi sur le canapé. Vous l'avez vu en photo sur Facebook via le groupe Évasion et Création où je vous disais, ben, je suis en plein d'épée, mais madame vient me demander des câlins, donc voilà, le gros bébé. Voilà.
Et hier, mon mari rentre du boulot. Donc, moi, je suis partie, il était 10h, non, 9h30 de la maison. Donc, elle m'a quittée à 9h30. Hein, donc, je pars. Bisous, mes fifis. Hein, j'ai trois minous. Donc, bisous, un petit câlin. Bonne journée. À ce soir, les filles. Voilà. Mon mari rentre à 5h30. 5h30 hier, le soir. Pas de, si, Schweppes dans les parages, couché sur sa couverture, qui est en général là derrière, à la place de mon balai. Et madame ne bouge pas. Donc il l'appelle, pas de miaou, rien. Il la regarde, elle la regarde. On va dire, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu me parles? Voilà. Je rentre à 8h moins 10 de la maison. Je dis bonsoir à mon mari. Je regarde mon chat. Et là, un ronron. Mais les ronrons! Mais les ronrons! En plus, quand elle ronronne, elle ronronne. T'es ronron, je suis, bah dis donc, t'es contente de me voir, hein? Et je fais, ça va, puis elle me regarde avec sa petite tête. Maman! Maman! Qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, papa, il t'a pas donné à manger? Puis mon mari me regarde, il me dit, bah elle m'a pas réclamé, elle a pas bougé de là, elle m'a rien dit, il me dit, je croyais qu'elle était malade. Du coup, je file dans la cuisine lui chercher sa gamelle, je lui mets des croquettes, madame, elle était partie manger, voilà. Mais des ronrons. Et puis sur sa façon de miauler quand je suis rentrée à la maison, voulant dire tu m'as abandonné toute la journée, tu te rends pas compte, hein? Voilà. Donc elle nous a fait mourir de rire. Sa réaction, c'était la première fois que je voyais sa réaction comme ça quand je rentre à la maison. Voilà. Encore qu'elle nous le fasse quand on part une semaine en vacances, hein, on revient, elles en ont rien à carrer. Il n'y a que Pixel qui aime bien nous voir, qui nous fait des câlins, toujours qu'elle. Elle est toujours là en train de nous accueillir, Pixel. Elle, c'est rare. Voilà. Mais là, hier soir, elle m'a fait un accueil. J'ai cru que j'étais partie pendant au moins 6 mois de la maison et que. Voilà. Donc, c'était la petite anecdote de ma grosse chouette-chouette. Voilà. Qui m'a fait mourir de rire hier soir parce que, voilà. C'était une réaction que. Voilà. Elle nous l'a jamais fait et voilà. Et là, ce soir, je suis rentrée, je la regarde, je fais, ça va? Et ben, elle m'a pas répondu. Voilà. Elle a dû se dire, papa, il a passé toute la journée avec moi. Ce matin, il m'a fait des gros câlins parce que je suis partie, ils étaient tous les deux sur le canapé. Voilà. Et ben, mais il n'empêche que le bébé de 8 kilos, ben là, je vais monter, voilà. Je vais monter me coucher. Je peux vous jurer qu'elle va venir faire son dodo avec sa maman. Voilà. Dans ses bras. Voilà. Ou sur mon ventre surtout. Mais bon. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. La vidéo est un peu longue, mais bon, il y avait besoin de papoter. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Unboxing, logiquement, pas de suite. Hein, hormis s'il y a un gros, gros craquage, mais je pense pas. Là, franchement, en DP, je suis servie. J'ai vraiment de quoi faire. Voilà. Voilà. J'ai plein d'idées, donc je pense que les vidéos seront plus des idées vidéo, des vlogs. Mais unboxing, là, pour le moment, non. Hormis s'il y a des nouveautés qui sortent et que je. Hormis s'il y a des nouveautés de produits qui sortent et que je veux acheter, mais pour moi, il n'y aura plus d'unboxing de suite. Voilà. Je vais rester raisonnable. Là, j'ai pas mal claqué en quelques mois. Voilà. Donc, depuis avril, ouais, quasiment, ouais. Voilà. Donc, là, j'arrête. Sinon, il y a un cas de divorce qui va arriver. Je ne veux pas divorcer, donc. Faut savoir être raisonnable dans la vie, donc je vais être raisonnable, voilà. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous, bonne soirée, bon DP à tous, hein. À très bientôt pour de nouvelles aventures.